الأهداف، أحلى الأهداف، يا الله يا الله يا الله. Mais les deux années que j'ai passées à l'enseignement, ça m'a donné vraiment cette envie, cette vocation de continuer dans l'enseignement. Et puis un jour, le football professionnel est venu me chercher et j'ai bifurqué vers le monde de professionnel football. Pour moi, la formation, c'est quelque chose de fondamental quand on veut faire un métier. Donc le football ne déroge pas à cette règle-là. Quand on veut faire du football son métier, on est obligé de passer par des étapes que sont l'école de foot, la préformation qui correspond au collège, la formation qui correspond au lycée, et puis la post-formation qui correspond à ce qui est cursus universitaire. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, de détecter des talents, des potentialités, de les faire travailler, les faire grandir, pour qu'un jour ils fassent du football leur métier. Et ça, c'est le plus grand bonheur qu'on peut avoir, hein, puisque comme le football n'est pas une science exacte, donc on essaie de mettre tous les atouts du côté du jeune pour tout simplement pour aussi réussir sa vie d'homme à travers le football. J'ai commencé dans le monde amateur, j'étais entraîneur-joueur dans un petit club à côté de Caen qui s'appelle Thury-Harcourt. Et puis après, j'ai eu un ami qui était directeur administratif dans un club professionnel. Et puis j'ai commencé ma carrière en 89 à Rouen. J'ai passé 6 années à Rouen. Après Rouen a déposé le bilan, j'ai été recruté par la SCAN. À la belle époque de la SCAN, il y avait vraiment des grands joueurs. Donc j'ai passé 3 saisons, je devais rester 6 ans, j'ai démissionné au bout de 3 saisons et je me suis retrouvé à Caen, en Normandie, pendant 3 saisons. Après Caen, j'ai été demandé par le Havre, donc j'ai rejoint le Havre, pas en tant que directeur du centre, mais entraîneur de ce qu'ils appelaient le groupe élite, c'est la réserve professionnelle, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai été demandé par Strasbourg, où j'ai passé 3 saisons aussi à Strasbourg. Et puis après, j'ai eu une demande du Maroc. Sa Majesté le Roi a voulu redonner un élan à la formation. Donc, il a demandé qu'on travaille sur un projet qui a vu le jour, qui s'appelle l'Académie Mohamed VI de football. J'y ai travaillé sur ce projet pendant 7 ans. 2 ans de construction et 5 années d'entraînement et de direction. Et puis après, je partais de l'académie et j'étais demandé par la Fédération Royale Marocaine de football pour être directeur technique national. Je sortais du monde de la formation. Et puis après 5 années, j'ai été demandé par l'Olympique de Marseille en tant que directeur du centre. Et puis je suis arrivé donc à l'Olympique de Marseille. Et après 3 ans à Marseille, on s'est séparés. Et puis j'ai eu la proposition pour venir en Arabie Saoudite pour occuper le poste de directeur technique national en Arabie Saoudite. Donc Rouen m'a donné mes débuts dans le monde professionnel. Cannes m'a montré ce qu'était le très haut niveau, parce qu'à l'époque il y avait vraiment des grands joueurs comme Sébastien Frey, Duxa, Zebina. Il y avait encore Vira pendant 6 mois avant de partir au Milan AC. Et un entraîneur de grande qualité qui était Guy Lacombe, qui m'a aussi donné beaucoup de clés au niveau de la formation. Caen, ça a été vraiment bien parce qu'on a pu reconstruire un petit peu la formation, surtout dans la partie scolaire. On a fait vraiment un énorme travail avec une réussite vraiment très intéressante. Le Havre, j'ai eu la chance de conduire une équipe de très haut niveau avec des garçons comme Stéphane Danda, Carlos Kameni, Lassana Diarra, le Talex. Il y avait vraiment Sinama Pongos, Digar, il y avait Jamel Ait Benidir, un Marocain. Donc j'avais des joueurs, effectif vraiment de très très haut niveau. Après, j'ai eu la chance d'aller à Strasbourg, où là aussi j'ai travaillé avec des gens qui étaient vraiment
de très grande qualité. Donc c'est vrai que chaque club, Lola, il y a eu l'Olympique de Marseille au retour en France. Chaque club avait sa particularité et chaque club m'a donné beaucoup de, je dirais, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Si on veut grandir et progresser, quel que soit le nombre d'années qu'on passe quelque part, et ben il faut échanger, il faut donner. Bon, il y a eu des gens qui nous ont donné des choses pour pouvoir grandir dans ce métier-là. Donc on doit faire la même chose. C'est dans le partage, c'est dans la recherche que l'on essaie de progresser. Le football n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui bouge énormément. Ce qui était vrai il y a quelques années n'est plus vrai, est moins vrai, je dirais, aujourd'hui, et probablement entre les 5 et 10 prochaines années, eh ben le football va encore changer. Donc il faut être à la page, il faut échanger, il faut rechercher. Pour moi, il y a trois termes qui sont très importants. Un, c'est la bienveillance, être bienveillant avec les gens. La deuxième, c'est le respect, des valeurs, le respect de l'un et l'autre. Et puis le troisième, c'est l'excellence. Quand on fait un métier, eh ben il faut exceller, il faut être le meilleur à l'instant T. Donc pour moi, c'est les valeurs que je prône, hein, dans ce monde du football qui parfois oublie ces principes-là, mais je suis sûr qu'avec la bienveillance, avec le respect et puis l'idée d'excellence, et ben on peut faire plein de choses. المستحيل ليس مغاربيا المستحيل ليس عربيا محاولة تعود في الجانب المقابل. Le travail qui a été fait n'a pas été toujours très simple, mais il a été très passionnant parce que c'est vrai qu'on n'avait pas toujours une image positive par rapport à pour attirer nos binationaux. C'est vrai qu'avec le président de la fédération et les collègues à la Fédération royale marocaine de football, on a fait vraiment un très très gros travail d'assainissement, en essayant de montrer que le Maroc était une terre d'accueil, qu'ils pouvaient vraiment progresser, ils pouvaient atteindre le très haut niveau. Et donc, on a mis vraiment les moyens pour pouvoir aller déjà vers eux, parce que c'est bien beau de faire venir un joueur sur le pays, mais faut-il déjà se déplacer, voir dans quelles conditions il vit, dans quelles conditions il travaille, donner de l'importance à la partie humaine qui parfois est absente dans le football. Et ça nous a permis d'attirer des joueurs de très grande qualité. Le meilleur exemple pour moi, c'est Achraf Hakimi, qu'on a détecté grâce à notre recruteur en Espagne, Rabea Takasa, qui l'a vu et on est allé voir sa famille. On l'a convoqué la première fois dès l'âge de 16 ans et il est resté fidèle parce qu'il a été marqué par le fait qu'on se déplace le voir, qu'on lui donne de l'importance. Et donc, ça a été le cas pour lui, pour Mazraoui. Il y a eu plein de joueurs qui ont choisi le Maroc parce que on a fait un vrai travail professionnel. Et c'est vrai que c'est quelque chose de gratifiant de voir qu'il continue, qu'il est en train de performer et qu'il donne une très bonne image au football national. Exactement. C'est quelque chose qui fait plaisir. Et en même temps, c'était un devoir de notre part, comme on a travaillé pour notre football national, c'est de faire tout ça pour le pays et non pas seulement pour soi. Dans notre pays et même dans notre continent, on voit toujours le football à travers l'équipe nationale A. Quand elle marche, on dit que ça marche et c'est très aléatoire. Et quand ça marche pas, on dit que le football est malade. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé sur le football de base, que ça soit le football amateur comme le football des jeunes. Donc, on a mis les fondations, ensuite on a construit les murs et après on a fait le toit. Le toit, ce sont les équipes nationales. Et donc aujourd'hui, ça a donné ses fruits parce que encore une fois, quand on va dans un projet, il faut avoir une vraie vision de ce qu'on veut pour le football de son pays. La deuxième, c'est de mettre une stratégie, mais une stratégie réaliste et réalisable, comme je dis,
parce que parfois on voit plus loin ou plus haut que ce qu'on est capable de faire, et après se donner des objectifs qui soient par palier pour pouvoir arriver à maintenir la performance dans la durée. Il ne faut pas dire qu'on part sur une feuille blanche, il faut avoir du respect par rapport au pays parce que c'est vraiment une terre de football. La preuve, depuis que je suis arrivé au mois de juin, vous avez l'équipe des U23 a gagné la Coupe d'Asie au mois de juin, l'équipe des U20 a gagné la Coupe arabe dans la foulée. On a eu la médaille d'argent avec les U21 dans les Jeux islamiques en Turquie. L'équipe des U17, justement, en Algérie, à Oran, ont atteint les demi-finales. On a été sorti en demi-finale au pénalty par l'Algérie. On méritait vraiment de gagner. Donc là, on a les moins de 20 ici en Arabie Saoudite qui jouent les qualifications pour la Coupe d'Asie. Vraiment, c'est une terre de football. Mon arrivée ici est due au fait que la fédération et le président de la fédération souhaitent organiser un petit peu le football aussi des jeunes et la formation de cadres. Et donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, certes, mais c'est vrai que c'est un pays de football et un pays qui a envie vraiment de décoller. En Asie, il arrive à tirer son épingle du jeu. La preuve, l'équipe nationale A s'est qualifiée pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire en finissant premier de son groupe. En général, ils finissent deuxième ou troisième. Mais là, ils ont fini premier devant l'Australie, devant le Japon, devant la Chine. Donc il y a quand même une base et à moi avec la fédération d'essayer de faire encore grandir encore plus sur le plan international le football saoudien. Mais pour moi, les équipes nationales, c'est la résultante de ce qui se fait en amont. C'est-à-dire comment on travaille avec le monde amateur, comment on travaille avec les centres de formation des clubs. Donc là, il faut réguler cette partie-là, ça c'est important. Aussi dans la formation de cadres, relever le niveau de la formation de cadres. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs de la Super League, c'est-à-dire la première division saoudienne, tous les entraîneurs, ce sont des étrangers. Il n'y en a pas un seul qui est un local. Même en deuxième division, qu'ils appellent ici la première division, sur les, je crois, c'est 20 clubs ou 18 clubs, je ne me rappelle plus, sur le nombre de clubs, il n'y a que 5 clubs qui ont des entraîneurs qui sont nationaux. Tous les autres sont des étrangers. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail à faire dans la formation de cadres, à la fois pour les jeunes et les professionnels, et travailler en amont avec tout le monde amateur ici en Arabie Saoudite pour faire en sorte qu'on puisse franchir un cap au niveau des compétitions internationales. Pour moi, ce qui est important, c'est avoir les bases du travail, parce que la formation, par exemple, des jeunes, elle est identique partout, parce qu'un joueur de très haut niveau est capable de jouer dans n'importe quel pays. Vous avez, par exemple, les joueurs qui ont joué en France, ils peuvent jouer en Angleterre, qui ont été formés en France, peuvent jouer en Angleterre, ils peuvent jouer en Italie, en Espagne, des cultures très différentes. Donc, ce qui est important, c'est de dire que le socle est un socle solide, mais par contre, il faut l'adapter par rapport au contexte. Ce que j'ai pu apprendre en France et ce que j'ai mis en place en France, on peut pas le mettre en place à 100% au Maroc, parce que il y a une culture, il y a une histoire, donc il faut être capable de s'adapter. Donc c'est ce que je fais aussi aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Il faut d'abord s'imprégner de la culture et de l'histoire de l'Arabie Saoudite pour aussi adapter certaines méthodes au contexte local. En introduction, c'est continuer à partager, continuer de découvrir de nouvelles expériences et surtout arriver à l'objectif qui m'a été assigné ici en Arabie Saoudite, apporter quelque chose au football saoudien. C'est ce que j'aimerais, c'est apporter ma pierre à l'édifice.